Salut YouTube, petite intro ultra rapide, juste pour te dire que du 21 juillet au 21 août sur la chaîne YouTube, je te fais gagner un skin mystère par vidéo. Tout simplement, il te suffit juste de liker la vidéo, laisser un commentaire en rapport avec la vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch qui est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Et si tu veux me passer me voir sur Twitch, n'hésite pas à me dire ouais salut Eric, je viens de YouTube, j'aime bien tes vidéos ou j'aime bien ce guide machin, ça me fait toujours plaisir. Juste là je vous régale parce que vraiment cette année vous avez été incroyable avec moi. On arrive vers les 20 000 follow, j'espère vraiment que mon contenu vous plaît toujours et vous kiffez toujours autant ce que je propose pour apprendre. Il y a plein de nouveautés, j'essaie de me renouveler beaucoup en ce moment avec des nouveaux guides, vous allez voir, vous allez vous régaler pendant tout le mois d'août, j'ai prévu plein de nouveautés. Merci à toi de regarder mes vidéos, laisse un petit like et un petit commentaire et je te laisse avec l'autre gros con. Bisous BG. Ouais re, c'est le mois du futur, juste parce que j'ai oublié de te dire, mets ton pseudo entre parenthèses dans les commentaires que je puisse t'ajouter sur et te donner ton cadeau, accessoirement. Merci de regarder la vidéo, bisous. Salut YouTube, c'est Iris, ton youtubeur et streamer préféré. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec mon frère Walugaru, nouveau stuff Warwick 1v9. Il est incroyable. Oh le stuff il est incroyable. Il faut juste aller tout droit. Il n'y a pas de team fight, il n'y a pas d'objectif. Tu fais des tout droits. Walou, il nous a régalé. J'espère que la vidéo te plaira. Petit défi, si cette vidéo atteint 200 likes, on fait une vidéo Warwick immortel où personne te tue. Voilà. Je sais pas ce que c'est le stuff, il m'en a parlé. Je me suis dit que ça serait un petit défi pour vous, donc cette vidéo atteint 200 likes, et ben on fera cette vidéo, j'espère que la vidéo te plaira. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube, si t'es pas encore abonné, on est bientôt 20 000. Et évidemment d'habitude je suis en live, mais en ce moment je suis pas en live parce que je prépare un gros événement pendant la semaine qui arrive. Donc, bah, si tu kiffes la chaîne, n'hésite pas à venir sur Twitch, je fais toutes mes vidéos en live d'habitude, poser tes questions et passer un bon moment. Bisous BG, si t'as des questions, n'hésite pas à me follow sur Instagram et envoyer un petit DM, vous êtes de plus en plus à le faire. Ça me fait plaisir, bisous. Du coup, vraiment on est sur le stuff, ton nouveau stuff 1v9, genre là t'es là pour détruire quoi. Exactement, alors moi je veux que vous soyez comme ça maintenant, c'est vous concentrer que sur vous même les refs et il faut que vous gagnez la game solo. Ah c'est vraiment, vraiment du solo carry quoi, là c'est plus un stuff ouais. Utilitaire, le but c'est de détruire, ok. Exactement, là vraiment vous parlez, vous fricotez pas avec les filles, vous essayez pas d'aller en soirée, non non, là vous restez, vous faites vos études, vous révisez et vous niquez tout dans la vie. Alors ça commence par une briscoque déjà, donc voilà, déjà on met le temps. Premier item briscoque, donc déjà vous êtes tout seul dès le début. Ok, donc vraiment vraiment t'es là pour... ok d'accord. Et j'ai théorycraft le fait que comment il s'appelle l'item, la Ginzu solo peut compenser les dégâts de la BOTRK. Ok. Et c'est le cas, c'est le cas. Et donc, sauf que Ginzu, du coup en fait ça va te permettre de taper plus vite sur les tours et sur les sbires aussi. Ok. Donc voilà, donc en gros le but c'est vraiment d'être en side lane tout le temps, d'être ultra tanky, faire beaucoup de dégâts. Et dans la même logique, d'être tout le temps tout seul, one shot les waves. Oh, ok. Tu one shot les tours, tu one shot les waves, tu one shot les ennemis. Ok. Voilà, voilà. Et enfin, en 4ème, 5ème, j'ai pas encore trop theorycraft, mais pour moi c'est bien de faire with sand. Okay. Ça applique du on hit. On hit plus on hit, ça fait que ça fait beaucoup de dégâts et ça te rajoute de la tankiness. Ok. Et du coup, en 5ème item, ça serait quoi? J'ai vraiment pas d'idée. Ah ouais, je dirais un curve de lait pour les faire chier, mais. Mais voilà, ça c'est vraiment du bonus. Attends, la game est finie avant du coup avec ce stuff, non? C'est ça. Et les bots, très très important du coup. Les seuls bots qui font des dégâts autour, c'est lesquels? Est-ce que tu sais, Iris? Oh En toute logique. Quels sont les bots qui te font faire plus de dégâts autour? Je sais pas. Bah les bots, je dirais les bots de sorcier du coup, mais... Bah non, même pas. Non, non, non. Les ah oui, bah oui, les berserk. Ok, ok. Bots des berserk. Et il y a des petites dingueries aussi au niveau de mes... Des runes. Au niveau de mes des sorts d'invocateurs. Du coup, toujours pareil les gars, vous êtes un chat de la top lane, vous êtes l'alpha de la top lane, donc toujours demander le first pick. Vous n'avez aucun counter si ce n'est votre mental. Voilà. Bah, t'as un counter, c'est Olaf et Jax quoi, mais... Il y a encore ouais, avec ce stuff, personne, pas forcément. Je banne personne et je vais te montrer qu'il n'y a absolument aucun counter. tu counter Jax et tu counter Olaf avec ce stuff. Hein. Ah ouais, parce que tu split, donc dans... en fait dans tous les cas ce stuff, tu vas split et du coup tu vas impacter, c'est ça? C'est ça, je vais attirer toujours plus qu'un mec. Et du coup, en fait je m'en fous de mon matchup. Ok. Ça peut être une Vayne, ça peut être un action, ça peut être un run stop, j'en ai rien à faire. Moi mon but c'est de créer le surnombre sur moi. Et okay. Bah du coup tu vois un peu mes... Ouais, ghost et... ok. Ghost et barrière. Pas de TP, du ok. Coup... Ouais, pas de TP, t'as pas besoin de TP. En fait, le clutch de la barrière, en fait, tu vois, c'est dans mes veines aussi. C'est que je joue barrière depuis que je suis né, donc... Ouais, mais la barrière te permet vraiment de clutch de zinzin, en vrai. Ouais, c'est ça. Okay. Et le ghost, je deviens de plus en plus fan, à savoir que c'est une rune skilling. Moi, je savais pas trop, le ghost, je connaissais pas trop, mais tu montes à 48% de move speed
selon le level du champion. Je savais même pas que ça scalait comme ça. Frérot, j'en avais aucune idée. Tu m'as envoyé un truc aussi. Bah, en fait, c'est parce qu'on prend Ghost pour aller plus vite, mais c'est vrai que ouais, du coup, c'est fort. Au niveau des runes, tu prends quoi, Walou? C'est vrai qu'on en a pas parlé. Ouais, donc les runes de base, y'a rien qui change. Pas de démonstration. Non, j'ai réfléchi. En fait, il faut que tu sois fort en lane. Ok. Et du coup, second souffle, les 1000 HP que ça va te heal en lane, c'est trop important. Ok. D'accord. En fait, faut pas changer le fait de stomp ta top lane. Ils sont en train de me spamping. Ça, j'aime beaucoup. Ah ouais? Un stacking contre un blitz avec un broom, c'est très très smart. Oh là là. Ouais. Et ouais, c'est banger. Ouais. Là, si tu prends des kills, c'est masterclass. Faut que je me fasse focus. Parce que j'ai une barrière. Ah bah oui. Là, vous tuez les Zac normalement. Ce qui serait cool, c'est que tu prennes un kill presque là, non? Tu vois comment j'ai joué à la limite de ce que je peux tanker? Ouais, de ouf. Bah, parce que tu connais par cœur ton champ. Un petit kill pour Walou. PTDR. Attends, mais. Ok, bah, bien joué. Et ça, c'est en gros. Ce qu'on vient de faire, c'est winning game contre un Blitzcrank. Bon, après, on avait Broom, donc c'était encore plus simple. Mais voilà, c'est. Contre Blitz, il faut stacker dans un bush. Mais attends, mais là, du coup, la Riven, elle est dans la merde, vu que tu peux déjà acheter. Ouais, ah putain, j'ai rien acheté en vrai. Je vais voir les breakers. Oh, ça me saoule. Ah, ça, c'est terrible, par contre. Ouais, j'avoue, c'est pas de chance. Ouais, bon, tant pis. Pour apprendre des bots, en vrai, bref. Ouais, c'est pas grave. Ah, putain. C'est un lucky, il te manquait 7 gold, une petite assise de plus, et c'était une épée longue. Ouais, personne ne respecte la barrière. Il y a des trucs sur League of Legends où un être humain ne peut pas respecter. Par exemple, un angle de gang de Zac, tu peux pas respecter ça, c'est impossible. Un gang de Rek'Sai, un gang de Evelynn, tu vois, il y a des trucs, c'est attends, trop dur en fait. T'as raté jouer OCS là? Oxy quand même, mais. Oh. Ah ouais? Ah, il y a peut-être une wave en plus, ouais, peut-être je me trompe. Ah oui. Ah non, t'as raison. Ouais, non, c'est la première wave. Enfin, ouais, c'est la. En gros, c'est... Je sais pas. Je suis Gucci. Si, t'as raison, y a pas la wave. Non, la wave canon vient d'arriver, c'est la troisième. Ouais, parce que le trade que tu lui mets alors qu'elle te met un level, c'est quand même illégal en vrai. Ouais. 3-1 la 6. Et du coup, tu vas te gaver en gold avec les plates, etc., non? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu. C'est un peu un contre 5 ans, mais. J'ai regardé une vidéo de Gaëtan. Gaëtan, je m'en sors bien en solo queue contre lui. Ouais. Mais au niveau de ce qu'il explique et tout, c'est super pertinent. Et il a dit à un mec en mon coaching, arrête de parler de macro, arrête de te concentrer, tu sais pas farm. Et je me suis rendu compte que moi je savais pas farm. Et du coup je me suis dit, mais en fait je vais revenir. C'est vrai que t'es pas un gros farmer toi, je vois dans les vidéos. Bon, après, après mécaniquement t'es monstrueux par contre. Mais... Ouais, mais du coup là je me suis dit, bon, je vais revenir à la base. Je vais farmer, je vais prendre les ressources, je vais. Tu sais, j'ai rejoué League of Legends basique, genre. Ouais, t'arrêtes de faire des rooms chelous, des filouteries, si je peux me permettre. Ouais, c'est ça. C'est le timing où je peux agresser, mais là. Attends, la BAC, elle a rien acheté? La BAC pour. Ah, mais elle avait pas de gold en vrai. Ouais, elle avait pas de gold, je crois. Ouais. C'était. Ah, ok. C'est bien. Ah, bah oui. Oh, non, Walou, pas encore. Pas les ingénieries encore, Walou. Ingénieries. Bah, dès le moment où j'ai plus E. Avant que le Zac arrive, j'ai su que ça passait. Ok. En plus, t'as la barrière. Elle est morte? Non. Ta barrière l'ignite. Ok. Tout va bien. Bah, j'ai joué plus la game. Pour ça que tu joues second souffle. Voilà. Pour ça que je joue pas Demolish. Ah ouais, c'est ça le Demolish, ouais. Ok. Voilà. Parce que sinon, avec Demolish, ça serait pas passé. Tu grides pas la plate? Non, on est à 4 minutes, je vais jamais avoir la plaque. Tu sais que tu vas encore me faire une vidéo masterclass là, Walou. Let's go, c'est parti hein. Mais là t'es tellement bien dans la game, mais tu perds plus là la lane. Ouais. Bah ouais. Et du coup, et puis en plus de ça, maintenant tu prends le temps pour farmer tout. Mais tu dois, dans les games tu dois tellement stuff rapidement, ouais. En fait oui, c'est ça, c'est que je mets les ennemis en game over. Mais surtout quand c'est plus, pas en mode je tente des moves flippy et je... Ouais. Bah là ils te gank, tu perds quoi, c'est ça qui est terrible. Là on a 20, ils perdent quoi, genre le Zac ouais. Le Zac, t'as gank, t'as fait doubler quand même, c'est illégal de pouvoir faire ça. Ah. Là, j'aurais pu freeze, mais j'ai du mal avec le freeze. Je me dis qu'il y a un humain derrière l'écran, derrière, en face. Je mettrai freeze que quand je serai en haut master, genre. Ok. À très très haut. Tu penses qu'avec cette technique, tu pourrais repasser quasi chal? Faut que je maîtrise. Parce que j'ai pas encore le. Le coup? Les limites, ouais. Ok. Même le ghost. En fait, ça dépend de comment je maîtrise le ghost.
Ah, tu penses que le gosse, c'est vraiment un truc. Bah, c'est fou quand même que tout ce que t'as à maîtriser alors que ça paraît si simple. Non. Ah merde, c'est un très bon timing de Gonks. Bien joué. C'est fine. Oh, pixel. Je vais quand même attendre les golds, c'est fine. Oh, t'as mis au moins la game sera un peu plus. Oh, vite, tu peux pas me faire ça. Hein. Bon, les gars, très très important ce que je vais faire. Envoyez un message à vos mates. Voilà. À quoi sert la vision? Je vais y enlever deux, moi. C'est une maladelle. Voilà, on y va. On est reparti. Y'a aucun stress à avoir. Y'a pas un mode tu te fais outscale, tu te fais pas outscale. Tu te fais outscale Warwick si tu vas en teamfight. Si tu vas pas en teamfight et que tu restes en sideline, voilà, tu là, fais là, jamais outscale. En fait, tu t'en fous, tu fais juste des tout droits, quoi. Tu joues en team des fois ou tu t'en fous complet? Non, non, jamais. Ok. Si vraiment, tu dois récupérer 2-3 kills, mais... Si y'a un teamfight, t'es content, en fait. Ok. Parce que ça veut dire que tu peux faire des tout droits, quoi. Parce que tu peux vraiment finir les games en fait, c'est impressionnant. Je m'en rends pas compte à quel point tu détruis les tours. Et une Dawn Nashor par exemple pour déchirer les tours, ce serait pas une bonne idée hein. Non, Dawn Nashor faut des ratios AP. Ok. Là s'ils te font la même, tu meurs ou pas? Ouais, mais tranquille. Nickel. Elle a parfait. Elle a ult Ignite, ouais t'es trop bien. Tu la turn non? Oh! Ah, en vrai, elle a bien joué. En vrai, elle a bien joué. La pauvre. Ouais, mais bon. Elle a bien joué, elle a tout utilisé, mais. Ouais, après, le flash de l'ulti était quand même bien joué, en vrai. Mais bon, c'est vrai que. Moi, ça me va. Ouais, mais flash de l'ulti, c'est toujours pareil. Sur le fait, c'est bien joué, mais c'est un cooldown de 3 minutes. Ça veut dire qu'elle a plus de flash. Enfin, de 5 minutes. 5 minutes, contre, ouais. Contre 90 secondes, genre. C'est pas. Oh, petite plate. Oh, t'as déjà... En vrai, t'as déjà pris encore 350 gold de plate, c'est une folie. Hein. Ce que tu te permets de faire, gros, sans me fumer. Et là, tu t'as juste à mettre des autos sur les creeps, tu te full regen, c'est illégal. Tu joues vraiment comme un fou furieux, sans me... Ouais, le pauvre. C'est honteux. Hop, le petit coup de tour, il est gratuit avec. Ouais. Waouh. Tu sais que ça me... Nickel, est-ce que j'ai mon wheelbreaker? J'ai mon wheelbreaker, let's go. Ouais, là, elle a perdu. Tu sais que ça me fume moi toujours ta façon de jouer Walou. C'est que c'est vraiment spectaculaire, no joke. Je te jure. C'est du spectacle. Et... En fait, tu rentres même pas ta map en jouant comme ça, tu fais juste des tout droits. Oui, oui, je m'en fous. Et même si ils sont en 2-4, j'en ai rien à faire. Tu peux être en 0-10. J'en ai rien à faire, moi. Non, les gars, concentrez-vous que sur votre vie. Hein. Vous en foutez du reste. Arrêtez de vous comparer avec les autres. Arrêtez d'appuyer sur table. Bon, les dégâts que tu lui mets. Ah, le breaker c'est fort quand même. Le plus important c'est de choper toutes les plaques avant 14 minutes. C'est la seule condition par contre. Ok, bah là ça a l'air bon parti quand même. Ouais. Il faut que je la tue une fois. Là tu la tues une fois, tu prends deux plates là. Je prends la tour, ouais. Ah, la tour quand même. Je prends la tour. Ah, c'est vrai qu'avec les berserk, c'est vrai que maintenant t'as beaucoup d'attaque speed. En gros, le gros canon il fait 200% de ses dégâts à la tour, c'est énorme. Ah ouais, en early je m'en rends pas compte. Tu me fumes, tu veux juste mettre des autos à la tour depuis tout à l'heure, ça me régale. Ah, tu prends quasiment plus de dégâts de tour en plus, c'est terrible. Ouais. Ah, ça y est. Là, ils sont morts. Hein. Je sais pas. Bon, en tout cas, ils galèrent. Ouais, j'ai freeze. Ça a freeze, ça l'a tué. Ça a freeze, ça l'a tué. Je sais pas pourquoi j'ai des freeze sur mon PC là. Ah, un de plus. Tu meurs là ou pas? Resterai qui peut te blind. Ok, bien joué. Non, c'est illégal. Trop, hein. J'ai pas de BOTRK, hein. Je n'ai pas de BOTRK. J'ai fait exprès prendre le coup de tour pour qu'il commit. D'accord, Walou. Ça marche. Et le Victor te ping Warwick Breaker quand même. Ouais, ouais. Et si c'était pas ça depuis le début? Et les dégâts viennent de l'Ethel Tempo en fait. En vrai, c'est illégal, c'est impossible de pouvoir mettre ça. Avant, même avec les autres stuff BRK et tout, je pense que tu l'aurais peut-être même pas mis. Ouais, je m'en rends pas compte. Je suis très tranquille. Je sais pas si avec... très tranquille. Je sais pas si avec les autres safes tu l'aurais mis ce que tu viens de mettre. Bah là j'avoue que j'ai encore ma variante et tout, c'est bizarre un peu. Je suis niveau 11. Bah la game elle est bizarre. Putain, c'est une folie. Oh, la vidéo de fou furieux que j'ai. Mais... Merci Walou pour. T'inquiète, toujours pareil. Hein. Il va y avoir des Warwick Breaker sur la faille. Mais tu sais que ça me régale, hein. Ça me régale, ça me régalerait vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous allez jouer le stuff. Ouais, non, c'est. Ah, c'est. Jour limite. T'as la Ginzo là au bac quasiment, non? Ça coûte très très cher. Ah, mais après, avec. Mais c'est pas la Ginzo qui est importante, c'est le truc à 1200.
Ah, faut que je commence à appliquer du Onit, tant que ça me va. En fait, le truc Onit, ça s'applique sur les sbires et sur les toiles aussi. Ok. Ça va t'augmenter un attack speed, je veux dire. Ouais, mais bon, avec la tour là, tu récupères. What? Oh, c'est bon, allez, c'est bon. En vrai, j'ai combien de shutdown? J'ai 500 de shutdown? Tu lui laisses? Ouais. Ah, oh, je voulais prendre la tour. Bah, c'est vrai, j'ai pris la tour quand même. T'as eu les golds ou pas? Je crois Juste... pas. Hein. Non, j'ai pas eu les golds locaux, mais j'ai quand même eu gold de première tourelle et. Et t'as donné ton shutdown au blitz, donc t'es bien quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Il a tout commit, le pauvre. Hein. Il a Ignite, Ulti. T'en es pas loin Pendant d'un ce temps, exit quand même. Vayne est solo. Enfin, Sivir est solo et Hammer. Elle est. Oh, tu lui mets 3 levels. Elle doit passer un bon moment, la Riven. Oh, c'est fait camp, hein. J'ai pas vivi une fois top. Hein. Après, elle a raison, c'est toi qui veux pas te faire gank en général. Ouais, c'est bien. Ah ouais, tu t'en fous complet d'elle, ok. Mais elle est morte. Ah, tu meurs peut-être. Ah non, bien joué. Ah oui, elle a la barrière, c'est vrai. Et là, mais attends, mais la vitesse à laquelle tu déchires la tour, par contre, what the fuck? Putain, je suis un troller! Ok, c'est pas grave. Tu sais pourquoi c'est encore mieux? Pourquoi, dis-moi? Parce que je vais prendre cette tour. De base, j'ai mon bac Ginzu. Ouais. Et t'inquiète. T'inquiète, bah, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Oh, j'ai un vieux bac de merde par contre. Ça va. Par contre, à la vitesse à laquelle tu déchires les tours, je suis choqué. Hein. Ouais, t'as vu, ça vient qu'on s'attend vite. Là, je crois que je suis à 1000 dégâts. Ouais, je suis à 978 de dégâts. Pas 3000 de dégâts de la tour, j'ai 2000 HP. Ah, le Victor demande si t'es un bot. T'es en 9-3. Hein. T'es un peu culotté. Ah non, 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 il veut qu'on aille bot. Ah, il veut que j'aille bot. Bah là, du coup, il est un peu trop intelligent à mon goût. Genre. Ah ouais, c'est, il joue trop. Je vais dire oui, mais. Tu vas pas y aller. Ah, vraiment, le but c'est la tour quoi. Non, mais tu la prends en plus là. Je pète un pont. Attends, mais la Riven te fait aucun dégât. Tu les turns, je pète un plomb. Oh la raison. Ok, tu vois, j'en ai tiré 5 sur moi, j'en ai trade kill 1. Sur un malentendu, ma team ne fait pas les raptors et push. Avec un Herald. Sur un malentendu, il se passe un truc comme ça. Cross map, bot, on prend tourelle T1, T2. Ouais, du coup, c'est rentable. Parce qu'en plus, tu prends 300 pour 300. Ouais, t'es peut-être un shutdown, j'ai pas fait gaffe. Non, non, j'ai plus de shutdown là, je fais que mourir. Oh, j'ai plus de shutdown, c'est fini. C'est une folie. Ouais. Et là, ouais, ils vont faire un peu late. Mais ils ont 30 secondes de latence, mais c'est ça le plan. Tu vois, ils ont eu besoin d'être 5 sur moi. Il y a dû avoir des ignites. Il y a eu un ignite. Je sais pas s'il y a eu des ults. Ulti. C'est ouf. Ouais. Et là, c'est reparti. Ouais, et là, tu refais tout droit. Bah, ouais. Let Warwick bot, maybe. Je l'aime bien, le Victor. Yes. Je l'aime beaucoup, le Victor. Là, ouais, voilà. Il faut qu'il mette la pression. Victor, il a compris. Go mid. C'est un bon. Ok, ils sont beaucoup sur moi. Ok. Ouais, je me pète. On attire 5 sur moi. C'est une dinguerie. Et là, ils prennent la tour mid, du coup. Je les mets vraiment en échec et mat. Hein. Ta va, il fait n'importe quoi, par contre. Ouais, alors, en tout cas, pas trop ce qu'elle fait. Parce que du coup, elle a un divine, elle est en 2-1-2, mais tous les mouvements, à chaque fois, elle est au pire endroit à chaque fois. Mais c'est pas grave. Et du coup, les pauvres, ils viennent de full commit à 5 au bot, ils doivent refaire pareil. Ah, mais ils peuvent pas, hein. ils vont pas le refaire. Ouais, tu vois, le Zac est déjà top. Ouais. Putain, c'est ok, ouf. Ouais, ils sont tous top. Je veux bien voir comment il va galérer à tuer le canon. Ok, il y a Blitzcrank sur moi aussi. Après, t'as pas d'ulti. Ouah, le Blitz. Déjà, t'as pris un flash. C'est illégal entre les coups de tour, tout ce que tu prends, ça me fume de rire. Non mais frérot, c'est quoi ce gameplay de ouf? Autant, tu m'en as déjà fait des gameplays à la con, mais alors celui-là il est illégal. Oh, non mais c'est un gap. D'accord. Ça va Walou? Bah tranquille hein. Là je suis sur Oh. Merde. Oh le karma. Il m'a tué avec son putain de smite. My bad.
Et là, t'as un Bon, grand du coup, on fait Nash. Non, mais regarde, on fait Nash. Tu vois, en fait, c'est toujours pareil. C'est trop bien. C'est trop bien. J'en ai tiré deux top. J'ai des die. Enfin, bot, j'ai des die. Je pense qu'à très J'allais bas prendre elo, la par tour. contre, ça. Bah, en fait, ça peut marcher parce que tu as juste un V9 en vrai. Très bas elo, tu n'as rien. En fait, là, je veux dire, c'est pas skill de ce que je fais. Hein. C'est juste des stat check. C'est juste. Je suis trop tanky, je fais trop de dégâts. J'ai trop de wave clear, je me shot trop les tours. T'as Tu vois, tu là, il y a un giga team fight. Tu t'en bats les couilles. Balek. Ouais. Balek. Tiens, ta Bon team là ils gagne. gagnent. Après c'est parce que comme Ouais. ça combien de fois ils ont pu farmer solo genre. Bah ouais, c'est ça, Ah. c'est que. Ah, par contre, là, ils ont pas compris le Ah bon délire. c'est pas grave, c'est pareil quand même, c'est pas grave. Ah bah ça il fait. Bah, GG, hein. Voilà. La vidéo Un est dans la GG. boîte, hein. T'es dans la Side boîte, toi, lane, Lou, hein. let's go. Je te jure. Putain, la vidéo, elle est incroyable. Là, je suis trop content. En fait c'est trop bien qu'il y ait mes bans parce que là je peux pas théoriquer comme ça à très très low. Trop Eh bien. ben écoute, en tout cas, merci Walou. Merci Yes, pour cette merci à délicieuse toi. vidéo. Et on se capte bah, une prochaine fois à la rigueur. Si cette vidéo atteint 150 likes, ça te dit qu'on fasse le deuxième stuff que t'avais prévu? C'était quoi le deuxième stuff? Je me rappelle plus. Le stuff c'est Warwick Immortel. Bon là du coup c'est un peu. Mais il y a un stuff où vraiment il n'y a aucun champion dans le jeu qui peut te DPS. Eh ben écoute, on fera ça la prochaine fois si on atteint les 100. C'est quoi, on leur met 200 likes quand même, on leur met un gros défi.